Audio Jungle. Bienvenue à cette grande émission Hosanna, une émission qui vous édifie, une émission qui vous donne de la connaissance de la parole de Dieu à travers de différents hommes de Dieu et servants de Dieu qui défient sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de vous présenter un homme de Dieu merveilleux qui va nous bénir aujourd'hui avec un thème prestigieux. C'est l'homme de Dieu, Jodin Luzolo, à qui j'ai déjà shalom. Shalom. Papa, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Okay, nous sommes vraiment heureux de vous compter dans notre émission Hosanna. Merci. Voilà, aujourd'hui nous allons partager sur le thème la puissance de l'évangile. C'est un thème que nous avons tiré dans le livre de Romains 1, chapitre 1, verset 16. Ensemble avec vous, nous allons écouter l'homme de Dieu qui va essayer un peu de répondre à certaines questions qui sera pour vous des enseignements, mais aussi des révélations qui va vous édifier et vous donner la croissance spirituelle avec la maturité afin que vous soyez des disciples et des fidèles accomplis. Avant de commencer, je vous invite tous à s'abonner à notre chaîne YouTube Feu Rouge et aussi d'activer la cloche de notification et ainsi de partager ces liens à travers vos différents proches afin que la bonne nouvelle soit propagée de tous. Homme de Dieu, nous commençons cette émission avec ces termes, la puissance de l'évangile. Oui. Avant de commencer, nous voulons savoir par définition, comment définissez-vous l'évangile? Vous le savez bien, vous avez énuméré un passage que plusieurs d'ailleurs parlent de la définition de l'évangile qui est Romains chapitre 1er, le verset 16. L'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai point honte de l'évangile, point, et puis, car c'est une puissance. Une puissance pour les salis de quiconque croit. Wow. Mais j'aimerais apporter une certaine nuance, c'est que par rapport à ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas la définition. Ok. Ce n'est pas la définition, mais c'est la conséquence de ce que est l'évangile, ce que ça dégage, en fait. Mais s'il faut maintenant définir l'évangile, en fait, c'est un message. C'est un message qui doit être communiqué. Quel est le message qui doit être communiqué? En fait, c'est la personne de Jésus-Christ. Par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit, par ce qu'il a ordonné, et c'est tout là fait l'évangile de Christ, et c'est ce qu'on doit communiquer. Mais cet évangile, lorsqu'il est communiqué, alors il contient en lui la puissance pour les salis de quiconque croit. Ok, maintenant, toujours dans ces optiques, nous voulons savoir quelle est la personne qui est digne d'évangéliser, donc d'apporter la bonne nouvelle. La personne qui est digne, qui est apte, qui est, voilà, apte pour annoncer la bonne nouvelle. D'abord, j'aimerais dire que c'est la particularité donc, évangéliser ou dire ou parler, annoncer la bonne nouvelle, c'est deux choses. Donc, évangéliser, tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut évangéliser, les occultistes peuvent évangéliser, le marabout peuvent évangéliser. Donc, en fait, ça touche plusieurs domaines et chaque domaine a sa manière d'évangéliser. Mais nous évangélisons la bonne parole. La bonne parole. C'est la bien précisé. Il faut bien préciser. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons, que nous donnons, que nous communiquons. C'est ça l'évangile que nous avons, de la bonne parole. Nous n'avons pas un évangile de la science, nous n'avons pas un évangile de tous les autres qui peuvent aussi annoncer, dire ce qui est pour eux de leur part. Mais nous avons la bonne parole, la bonne nouvelle, qui est l'évangile de Christ. Non. Mais je reviens sur la question. Okay. La question, vous avez dit, qui est prompt d'évangéliser? Qui est digne d'annoncer la bonne nouvelle? Qui est digne d'évangéliser? Qui peut évangéliser? C'est ça la vraie question, surtout par rapport à l'évangile de Christ. En fait, je dirais que tout homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, rempli du Saint-Esprit, peut annoncer la parole du Seigneur. Homme de Dieu, aujourd'hui, nous remarquons dans nos églises, l'évangélisation est devenue l'apanage des ouvriers qui travaillent dans le département de l'évangélisation. Est-ce que cela est-il important ou bien l'évangélisation est juste pour ces personnes-là ou bien l'évangélisation c'est pour tout le monde? Ok, c'est une très bonne question parce que j'aime ça. Parce qu'il faut quand même briser certains faits, certains trucs qui brouillent la perception même vraie de l'évangélisation. Au fait, l'évangélisation n'est pas réservée qu'à un certain département. L'évangélisation n'est pas réservée à une poignée de personnes. Ça, c'est une erreur de comprendre ça de cette manière-là.
l'évangélisation est d'abord un mandat de tout enfant de Dieu. Et ce mandat-là est bien diversifié. Dans le mandat, il y a l'ordre. Dans le mandat, nous avons ce qu'on appelle, la condition dans le mandat. Nous avons les soucis dans le mandat. Nous avons la concurrence dans le mandat. Nous avons bien plus l'accomplissement. Ce sont toutes ces choses qui entrent dans le mandat. En fait, lorsque nous revenons dans le mandat, tout enfant de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu, étant enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, automatiquement, doit répondre à l'ordre suprême du Seigneur. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Pas une catégorie des enfants de Dieu. Pas une catégorie d'enfants de Dieu. Okay. Mais tout enfant de Dieu, l'ordre est suprême. Matthieu 28, le verset 19, la Bible déclare, allez partout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est un ordre que le Seigneur donne à tout un chacun. À tout un chacun. Et vous devez comprendre, bien-aimés, vous qui nous suivez de l'autre côté, vous devez savoir que vous devez enlever cette manière de penser que l'évangélisation n'est que pour un département, n'est que pour le pasteur, le prophète. Non, 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 c'est pas ça. Mais l'évangélisation d'abord, et l'évangile est donné à tout enfant de Dieu qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et après, les mandats pour aller annoncer l'évangile. C'est ça. Homme de Dieu, vous êtes prédicateur et vous êtes aussi président du département d'évangélisation à l'église La Compassion. Oui. Apparemment, vous, les prédicateurs, vous ne martelez pas sur ces points. Parce que nous les remarquons lorsque les évangélistes ou bien les ouvriers des évangélisations organisent une descente évangélique. Lorsqu'ils intéressent certains départements, ils disent que ce n'est pas notre, c'est pas notre devoir, c'est votre devoir, c'est à vous de faire ça, c'est pas nous. Nous sommes là pour chanter, pour les protocoles, pour intercéder. Mais pour descendre sur le terrain, c'est pas à nous. En fait, le problème, c'est la conscience. Okay. Le problème, c'est la vie même des apôtres. La Bible déclare que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les fondements que les apôtres ont laissés, ce sont ces fondements que Christ a laissés aussi. Et nous n'avons pas la mentalité de ce qui fait même la particularité de l'Église primitive. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église primitive? Allons dans Acte 2. Acte 2, chapitre 2, le verset 42, et nous allons couler en ce sens. Je vais juste lire et puis vous allez comprendre ce que je vais vous signifier. La Bible déclare, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Et d'ailleurs, vous allez comprendre dans la suite des temps que lorsqu'ils étaient ensemble, ils n'avaient qu'un souci. Ces soucis-là, c'était de rester dans la perception de recevoir l'enseignement, d'être embrasé par le feu, prier et sortir, et aller gagner. Pourquoi la persécution est entrée dans l'église? Parce qu'ils ont voulu rester sur un coin, pour ne pas sortir. Okay. C'est comme ça, le Seigneur envoie la persécution parce que le Seigneur avait accepté que la persécution entre à l'église pour les disperser. Parce que le souci de Dieu, c'est les âmes perdues. Okay. Le souci de Dieu n'est pas le simple fait pour nos enfants de Dieu de faire, comme je peux le dire ainsi, un show restant dans une chambre, restant dans les quatre coins de l'église. Non, non. Le souci de Dieu et le cœur de Dieu, c'est à l'extérieur. Mais il nous permet de rester ensemble. Vous allez remarquer dans Acte 2, le verset 42 et dans la suite. Ils sont restés ensemble pour s'affermir. Et quand ils s'affermissaient, c'est pour recevoir le feu. Et ensuite, c'est sortir pour aller embraser. Mais le problème de l'église aujourd'hui, je le dirais comme ça, c'est simplement parce que l'église n'est plus figée sur l'essentiel. Ok. L'essentiel. Et l'essentiel, il faut revenir sur la base même. C'est que même les disciples, le premier disciple, les apôtres, l'église primitive, nous a donné. C'est ça. Nous ne pouvons pas
aller au-delà ou déplacer les bornes qui ont été placées. C'est comme ça. Si l'Église n'arrive pas à répondre par rapport à ses préoccupations de l'évangélisation, ou le fardeau même de l'évangélisation, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de souci. Okay. On n'arrive pas à réaliser les prix d'une âme. C'est ça même. Il n'y a pas les fardeaux, en fait. Il n'y a pas les fardeaux, il n'y a pas les soucis. Il n'y a pas, au fait... voilà, tout ça, le fardeau. Il n'y a pas ces faits-là, il n'y a pas ces soucis, il n'y a pas cette conscience. Voilà, nous continuons notre émission avec d'autres questions. L'homme de Diaï a bien expliqué par rapport à cette situation que nous vivons dans nos églises où l'évangélisation est juste l'apanage actuellement des ouvriers de l'évangélisation. Mais l'homme de Dieu a bien précisé que l'église primitive, tous les apôtres annonçaient l'évangile. Et tous les fidèles de l'église annonçaient l'évangile. Donc c'est à nous, c'est notre devoir. Tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'apporter la bonne nouvelle partout. Dans notre famille, dans notre maison, dans notre entourage, nous devons apporter. D'ailleurs même, c'est nous-mêmes qui devons être des évangélistes. Donc notre vie doit être évangélique afin de communiquer la pensée de Dieu dans la vie de toutes ces personnes qui nous entourent. L'homme de Dieu, nous continuons notre émission. Alors, pourquoi devons-nous annoncer l'évangile? Pourquoi devons-nous annoncer l'évangile? Donc, c'est comme un peu que, ce que j'ai dit tantôt. Pourquoi devons-nous annoncer l'évangile? D'abord, il y a un ordre suprême qui est Matthieu 28, 19. Et il y a bien autant d'ailleurs de passages qui peuvent nous parler de ça. Il y a, Matthieu 28, il y a Luc, pardon, je vais juste citer, excusez-moi, il y a, Acte 1-8 qui nous parle de ces mandats, il y a Jean, vous pouvez noter, bien aimé, vous qui nous suivez, il y a Jean chapitre 20, le verset 21 jusqu'au verset 23, il y a aussi Luc 24, du 46e verset jusqu'au verset 48, il y a aussi Marc 16, du 15e verset jusqu'au verset 18. Pourquoi devons-nous évangéliser? Parce que d'abord, c'est l'ordre suprême. C'est là où repose le cœur de Dieu. Il y a l'ordre suprême. Il dit, quand vous serez ça, ceci, c'est là, alors évangélisez. Allez gagner ceux qui sont à l'extérieur. Mais la deuxième des choses, c'est parce qu'elle est perdue. Ok. C'est parce que le monde est corrompu. C'est parce que l'homme est tombé dans la rébellion et en inimitié avec Dieu, cette séparation-là. Pourquoi Christ est venu? Christ, le Père, l'envoie sur la terre parce que la terre était en plein chaos. Il y a eu ce chaos, l'homme s'est séparé de Dieu et Dieu a eu mal. Vous allez remarquer dans Genèse 4, la Bible parle de la recherche de Dieu. Dieu est en train de chercher Adam. Vous allez remarquer, il dit, Adam, où es-tu? Et ce n'est pas de manière superficielle, Dieu est en train de dire, Adam, où es-tu? Non, c'était avec un chagrin, la douleur, Adam, où es-tu? Mais ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait plus voir Adam, il le voyait, il était là. Non, c'est parce que Adam n'était plus dans sa présence. Il n'y avait plus la communion, il n'y avait plus la relation. Et cette séparation-là a découlé dans plusieurs générations. Nous avons reçu la nature adamique et l'homme s'est séparé de Dieu. Et comme j'ai dit, le deuxième volet, le deuxième point, c'est parce qu'il y a les perdus. Et c'est pourquoi nous devons évangéliser. Voilà, la réponse a été donnée. Nous devons évangéliser parce qu'il y a des perdus. Et si nous restons dans notre quatre coins du mur, donc nous n'allons pas faire notre bon travail parce que Dieu nous attend à apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Il y a beaucoup de personnes ici sur la terre qui ont besoin de l'évangile. Et nous remarquons même aujourd'hui, même le taux d'homosexualité a augmenté. Et nous, les chrétiens, notre devoir, c'est faire quoi? Leur apporter la bonne nouvelle afin de changer leur vie et que le royaume de Dieu soit peuplé par les âmes. Et Dieu ne manquera pas à nous venir. Nous continuons. On a posé la question sur pourquoi devons-nous évangéliser. Maintenant, comment devons-nous évangéliser? Comment devons-nous évangéliser? Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Je vais juste prendre deux ou trois. La première des choses, surtout la bonne manière d'évangéliser, et la première d'ailleurs, bien aimé, vous devez comprendre, c'est votre vie en Christ. Vous devez refléter ce que Christ est par vous-même. Votre comportement, votre caractère, votre manière de parler. C'est en fait la
première chose qui permet à un homme, enfant de Dieu, d'évangéliser. Parce que, dites-moi, si vous évangélisez quelqu'un et que vous avez un mauvais langage, un mauvais comportement, vous n'avez pas en fait la nature, le caractère de Christ, qu'est-ce que cette personne qui sera en train de vous entendre dira? Il dira certainement, il y a quelque chose qui cloche. Alors la première des choses pour évangéliser, c'est d'abord ta vie. Okay. Ta vie avec le Seigneur, tu dois la manifester. En fait, la nature de Jésus-Christ doit être pleinement vue en toi et sur toi, au travers de toi. Okay. C'est notre première manière d'évangéliser. Pourquoi on a appelé le disciple chrétien à l'église d'Antioche? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils étaient comme Christ. Ils parlaient comme lui. Ils reflétaient ce que le maître était. C'est ça, c'est qu'un disciple. C'est pourquoi on les appelait chrétiens. Et nous aussi, à cette époque, nous devons le faire et manifester clairement ce que Christ est. Et le vécu de Christ est par nous sera en train d'attirer les gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on peut évangéliser en abordant une personne de gré à gré. Ok. Les gré à gré, tu vas vers la personne. J'ai toujours dit dans mon département, la notion, en fait, la foi n'exclut pas la notion de civilité. Ok. Tu approches la personne, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, vous me permettez, vous me donnez de votre temps, 2 minutes, 3 minutes, vous abordez la personne, vous lui dites clairement que vous voulez lui parler d'une personne, du Seigneur Jésus-Christ, de celui qui est mort pour lui et qui est venu le sauver. Vous l'abordez clairement par rapport à ça, et s'il vous donne du temps, vous parlez. Okay. Vous parlez avec lui. Mais aussi, une dimension, je vais énumérer 3. Ça, c'est la dernière. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Okay. Pour ça, prochainement, on aura toujours le temps d'énumérer tout ça. Soyez patients. L'homme de Dieu a dit prochainement, nous aurons le temps d'énumérer presque toutes les stratégies qu'il faut afin de comprendre comment devons-nous évangéliser. Voilà, la troisième de dimension que je n'ai pas énumérée, d'ailleurs que ça devait être la première, c'est une dimension des cachettes. Des cachettes. Ah, il y a Bombana. Des secrets. Ok. Voilà, la manière d'évangéliser, c'est la prière. La prière. On gagne une âme dans la prière d'abord. Parce qu'un travail fait en public a au préalable été bâti dans les secrets. Il faut la prière dans les secrets pour les perdus. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien, doit toujours avoir l'habitude de prier pour les perdus. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est obligatoire. Il faut prier. Il faut prier pour les perdus. Il faut se tenir à la brèche pour les perdus. Une retraite pour les perdus. Oui. Pas une prière du genre dédicace, en fait. Non, pas là, c'est superficiel. Ok. Un passionné des âmes. Celui qui a la compassion des âmes prie, et pas de manière superficielle. Il fait même des retraites. Il gêne pour les âmes. Qu'est-ce qu'on va dire alors de Finney? Qu'est-ce qu'on va dire alors de Wesley? Qu'est-ce qu'on dira de Smith ou Eglise Ward? Qu'on dira de Renard Bonquet, surtout lui mon modèle? Bonquet. Qu'est-ce qu'on dira de toutes ces personnes? Et même le père, nos pères ici au Congo, nos pères, le père de l'Église. En citant, je vais, papa, le fait Jacques-André Vernon, le pasteur, l'apôtre Haïdi Nabala, et toutes ces personnes, Makanzu, ils étaient des passionnés des âmes. Et ces hommes-là ont payé les prix. En fait, notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Puisque lui a payé les prix, en mourant pour les âmes, alors, il veut nous enseigner une chose. Je vous envoie. Il dit, je vous mets au milieu de loups. Ça ne sera pas facile alors. Ok. Mais il y a la grâce. Sachez que j'ai tout ouvert. Il y a un chemin, il y a un passage que j'ai ouvert pour vous, aplani pour vous. Il y a la grâce. Vous avez la grâce. Mais dans la grâce, il faut entrer en profondeur. Okay. Parce que la grâce, elle est vague. C'est une forêt. Il faut creuser dans la grâce. Et lorsqu'on crée dans la grâce, on paye les prix. Parfaitement. Il faut payer les prix pour voir un bon résultat. Vous voulez voir une nation être sauvée? Vous voulez voir votre ville être sauvée? Vous voulez voir votre quartier être sauvé? Vous voulez voir votre famille, votre frère, votre mère,
votre Père être sauvé, commencez par l'évangélisation, par la prière. Et c'est très efficace. C'est lui qui prie. En fait, il ouvre un chemin au Saint-Esprit pour toucher les cœurs. C'est simplement ça. Si vous savez prier pour le perdu, alors je vous dirai, vous saurez les parler et les convaincre selon que le Saint-Esprit vous mettra à cœur.